Youtube, c'est Tavio, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale que je voulais vous faire depuis quelques semaines, ça fait longtemps que je vous en parle. C'est une vidéo bilan de tout ce qui s'est passé cette année déjà. Enfin je sais que ce sera une vidéo qui vous plaira beaucoup moins que d'habitude, mais ceux qui sont là, merci de la regarder jusqu'en entier, ça fera vraiment plaisir. Donc tout, tout ce qui s'est passé pendant cette année, le nombre d'abonnés qui a juste augmenté, c'était juste la folie. Le nombre d'abonnés, euh, tout ce que j'ai pu faire, là, il y a eu la Paris Games Week il y a eu la sortie de la phase 19, et même tout ce qui a pu changer dans mon setup, mon micro, mon écran, tout ça. On va tout parler de tout ça dans cette vidéo. Du coup, là, mettez juste le son de mettre la vidéo. On va commencer par janvier, on va essayer de faire tous les mois qui sont passés depuis cette année. C'était vraiment vraiment un truc de malade ce qui s'est passé. Encore une fois, je voulais vraiment vous remercier pour cette année de folle. On est déjà à 110 000 abonnés. En, on a pris les amis, on a pris plus de 50 000 abonnés en un an. C'est juste un truc de malade. L'année dernière, on était à 40 000 abonnés et pratiquement à l'heure où je faisais cette vidéo. C'était un truc de, de folie. Donc encore une fois, un grand merci. Du coup, donc ouais, cette année 2017, on a commencé avec du farming vraiment. Euh, bon, c'était encore du farming 17. Je faisais du roleplay à l'époque. Pour bon, l'instant, je sais que les amis, le roleplay, il va en avoir. Je vais en, je vais en refaire mais j'essaie de trouver vraiment un bon truc un bon scénario qui pourrait vraiment vous plaire donc pour l'instant il ben, n'y a pas de roleplay euh, mais ça va arriver vous inquiétez pas j'essaierai de voir pour plus tard et essayer de trouver un bon roleplay euh, les séries ben euh, du coup ouais, je faisais un petit peu des séries j'avais faisait quoi je faisais la nouvelle ferme donc je sais qu'il y a plein de gens qui me, qui, donc, qui me connaissaient pas avant mais du coup avant je faisais des séries euh, ben en fait on a déjà un peu tout fait dans l'agriculture dans Farming 17 du coup ben, on essayé de trouver des séries qui, pourraient, qui, fin, qui pouvaient plaire quoi donc on faisait la nouvelle ferme, c'était une série où c'est qu'on construisait une ferme depuis zéro. Il euh, y avait bah, forcément le roleplay, il y avait des vidéos que TP qui a fait qui plus de 300 000 vues, c'était en février. La vidéo elle avait super bien marché. Ensuite en mars, on a fait une vidéo euh, de l'entreprise forestière. C'était une série euh, que bah, j'avais fait la nouvelle vie, la nouvelle euh, ferme qui était de, de. En fait on part de zéro et on construit tout. Euh, donc c'est sur FS17, rappelez-vous bien, c'était sur FS17 et non pas sur FS19. Donc il n'y avait pas le système de ferme et tout. Là du coup c'était un, un, bah, un petit concept qu'on qu avait inventé. Et malheureusement la série Entreprise Forestière, c'est la série trop en fait déjà fait deux séries comme ça qui marchaient très très bien euh, les séries commençaient avec, avec le temps bah ça faisait ça faisait beaucoup moins de vues avec le temps c'est normal les gens ça, ça les lassait un petit peu on avait fait le tour quoi et je me suis dit bon faut quand même que je fasse une série j'ai fait l'entreprise forestière qui avait quand même beaucoup moins plu et du coup bon on l'a pas on l'a pas continué pas longtemps mais Ensuite, en avril, j'ai fait une vidéo qui vous a tellement plu. Ça faisait tellement longtemps que vous m'en parlez. Séquence, t'as vu que tu fais ta vidéo, présentation de ta ferme. Et je l'ai enfin fait. Je mettrai des petits extraits sur le côté de toutes les vidéos que j'ai faites, comme ça vous verrez un petit peu. Euh, donc voilà, j'ai fait une vidéo présentation de ma ferme qui vous a tellement plu. J'ai pas le nombre de vues que j'ai fait, mais on a fait plus de 150 000 vues, 130 000 vues sur les vidéos. J'ai fait deux parties, c'était un truc de folie. Franchement, vous avez tellement kiffé. Et justement, ce qui est bien, c'est que euh, les vidéos comme ça, ça apporte vraiment... Euh, il y a beaucoup plus de gens. Euh, bah, vous, vous êtes une communauté peu plus jeune à regarder du farming. Vous aimez plus le farming. Alors que, bah, ça, euh, par exemple, je peux euh, parler euh, les parents de Rixfork, justement, qui est dans ma team. Ils m'ont dit Mais mec, <laughs> ma famille elle a regardé toutes tes vidéos. Et il y a réel, ils trouvent ça super intéressant. Bah, j'ai fait une vidéo sur le tabac qui, bah, forcément, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. J'ai fait une vidéo sur le tabac. Fait, du coup, bah, j'ai présenté ma ferme et tout. Et donc euh, voilà ça vous a vachement plu même après ça plaît aussi euh, vous aussi qui avez peut-être 12-13 ans je sais Il euh, y a beaucoup de gens qui ont qui ont cette là qui me regardent dans, dans, dans les vidéos Mais euh, voilà mais alors du coup ce que j'ai fait c'est une vidéo qui vous a tellement plu ça fait vraiment plaisir Ensuite en mai j'ai fait une nouvelle série qui s'appelait Les maraîchers ça vous avait tellement plu franchement Bon bah, on a fait un petit peu le tour Je me suis dit pourquoi pas une série maraîchère C'est pour être du coup donc on avait fait des serres et tout ça, Je mettrai des extraits vous allez voir C'était vraiment sympa ça vous a, ça a vraiment plu En plus c'était sur une map que le modeur avait mis nos bannières et tout C'était vraiment sympa et tout La map était, elle était, elle était vraiment propre Donc voilà une petite série comme ça qui a tenu peut-être 3-4-5 6 semaines ça veut le temps qu'on le temps de continuer un petit peu l'aventure YouTube quoi on trouvait des petites séries à faire. Ensuite, en juin, euh, j'ai découvert Bus Simulator. Et cette série, au début, ça vous a tellement plu. Mais genre au bout de trois épisodes, ok, ça, ça vous pliais, ça vous plaisait plus. Mais voilà, je me suis bien éclaté sur ce jeu. C'était plutôt sympathique, bus simulator et tout. Euh, ensuite, euh, oui, ensuite, bah, du coup, il y avait les, les premières news de fs 19 J'ai commencé à faire, bah, je pense que tout le youtuber farming euh, faisait comment commencer à faire des petites news de fs 19 Genre, il oh, y a eu ce petit screen-là, on sait qu'il y aura telle marque dans ce jeu et tout. Du coup ouais, j'avais fait une vidéo pour la petite info, j'avais fait une vidéo. Euh, Excusez-moi, voilà. J'avais fait une petite, une petite vidéo euh, sur euh, quelle sera la. Enfin, j'avais fait toutes les nouveautés qui étaient sorties sur plein de forums et tout. J'avais. Euh, D'ailleurs, je crois que je ne l'avais jamais dit ce qui s'était passé, mais la vidéo était strikée, supprimée. Tout simplement, euh, en fait, j'avais fait une vidéo où je parlais de toutes les news qu'il y avait, les marques, les tracteurs, l'amélioration les, euh, les, la, graphique et tout, tout ça. Je vais parler de ça, mais malheureusement, grosse erreur de ma part, J'avais pas cité les sources. J'avais dit, ah, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, mais j'avais pas dit, ça vient de ce site-là, de ce forum-là. Et du coup, je ne dirais pas qui, mais dans, dans tous les cas, non, tout est bien réglé. Euh, et voilà, je me suis pris un bon strike là qui m'a fait boum vidéo supprimée, terminée. Euh, du coup, moi, petit... ça me faisait chier parce qu'à l'époque j'avais fait 80 000 vues. C'était euh, 80 000 vues quoi en deux jours, même pas deux dans trois jours, mais en une semaine quoi j'ai fait 80 000 vues, c'était énorme pour moi. Jamais je fais ça d'habitude, malheureusement elle a été supprimée. Euh, du coup ce qui fait bah, voilà tout perdu, mais bon malheureusement c'est comme ça, ça arrive. Mais c'est une infraude aussi, donc, euh, donc voilà. Mais après j'ai parlé avec euh, les mecs qui gèrent ça et ils m'ont dit ouais bon bah, après je comprends et tout. Mais quand même, t'aurais dû faire ça. Mais bon voilà. Euh, du coup ce qu'on va faire, on va parler ensuite de ah oui des des premiers vlogs les amis qui sont arrivés. Vlog moisson qui a tapé plus de 5000 vues. Je me rappelle, j'ai mis un, aussi un bon titre, hein. j'avais mis grosse panne à la moisson, c'était une vidéo qui vous a... les ça vous plaît vraiment en commentaire dites moi les amis si ça vous dirait des vlogs parce que maintenant j'ai quand même beaucoup d'abonnés qui sont farming 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 et je sais que si je fais autre chose ça vous plaira un petit peu moins mais pourquoi pas si ça vous plaît les amis des vlogs dans tous les cas je ferai des vlogs ça c'est sûr certain je ferai des vlogs euh, pourquoi pas un peu de moisson des chômages ou quoi ou même je verrai bien maintenant que j'ai le permis parce que là je tourne cette vidéo on est le 29 décembre du coup c'est mon anniversaire du coup n'hésitez pas à souhaiter vos bon anniversaires voilà 18 ans ça se fait et tout non bref voilà du coup euh, ouais j'ai fait des, des, pas mal de vlogs cette année j'ai fait des vlogs sur le tabac euh, bah, du coup le, je vous mettrai des petites des extraits mais allez, en description ou sur ma chaîne, vous allez voir toutes les vidéos c'est -ce qu'il y en a qui l'ont pas vu, c'est vraiment des vidéos assez intéressantes je trouve, j'avais bien expliqué un peu, j'avais mon drone et tout c'était plutôt pas mal, du coup ouais, j'ai fait des vidéos sur le tabac sur euh, la, la, la plantation, la récolte le blé, j'ai fait du déchômage j'ai fait du coup, la présentation de ma ferme, j'ai fait pas mal de, de... franchement cette année j'ai réussi à faire pas mal de vlogs contrairement à l'année dernière parce que j'avais fait euh, peut-être 2, 3 vlogs, grand maximum, 3, 4 vlogs et là j'ai réussi à faire... Euh... 5 vlogs, c'était un truc de mal. Franchement, enfin, j'ai bien kiffé cette année. Après, bon, j'ai acheté du matos, j'ai acheté cette caméra là qui vaut beaucoup, beaucoup trop cher, c'est vrai, mais elle est, elle est d'une qualité super belle. Franchement, je. je super bien je me suis acheté un trépied je me suis acheté un, un drone et tout donc tous tout ceux qui voudraient savoir le matos que j'ai les amis tout est sur mon site stervio.fr il y a toutes les infos même si on a qui veut savoir tout le matériel que j'ai euh, quel prix etc vous voulez tout savoir ce sera sur mon site donc le lien sera en description ensuite les amis qu'est-ce qu'on a fait d'autre euh, ensuite en juillet on a fait ouais, petite idée sur farming on avait une petite idée à faire avec Swan on a fait ce qu'on a fait alors c'est là qui se rappellent bien il y avait un, un défi je sais plus comment ça s'appelait euh, bref bon, c'était farming qui ont créé ça un défi pour faire le, le maximum enfin euh, c'était sur une app spéciale que vous avez fait un terrain où c'est qu'il fallait le maximum de bots sur un plateau en le moins de temps possible. Bon voilà, c'était un défi à eux et nous on avait, on avait trouvé un défi avec Sohan donc un mec de ma team euh, de créer une map en faisant des, des empiler des bots le plus haut possible. C'était un défi qu'on devait faire et en vrai ça vous avez pas mal plu mais malheureusement on l'a pas trop tenu. Enfin j'avais dit aux abonnés euh, vas-y faites des vidéos, essayez de battre mon défi sur ma map et tout. Donc la map était, part, était mis en DL et tout. Euh, vous avez pu télécharger la map. Vous avez qui, qui ont fait des vidéos qui l'ont eu pas sur leur chaîne et malheureusement il y a eu aucun gagnant. Euh, j'avais dit bon il gagnera ça il gagnera ça. Et au final j'ai rien, rien fait gagner donc je suis désolé pour ça les amis. On essaiera de refaire des trucs comme ça un peu sur sur la phase 19, on essaiera de, de vraiment vous faire participer. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire parce que, en ce moment, toutes les séries. On va en parler de la phase 19, mais en ce moment, toutes les séries que je fais, c'est vraiment des séries genre. Il y a des sondages et tout, je fais vraiment vraiment participer au max et moi je kiffe faire ça. Donc bref, on parlera de f 19 après pour l'instant on est encore au mois de juillet, on n'est pas encore. <laughs> on est au milieu de l'année. Ensuite du coup ce qu'on a fait euh... ouais alors c'est vrai que bah, pendant tout ce temps là sur FA17 on commençait à avoir un petit peu de mal parce que euh, il y avait bah, les séries, on avait fait un petit peu toutes les séries qu'il y avait. On avait, fait, euh, on avait fait beaucoup de séries sur euh, bah, Farmer on avait fait la fin, on, pratiquement toutes les séries que je faisais, il n'y avait plus aucune agriculture. C'était du TP, du paysagiste, il y avait un petit peu de... Il y avait tout sauf, sauf de l'agriculture. Bon à mise à part les les lives que je voilà les lives il y avait quand même un peu d'agriculture mais euh, sinon à part ça il n'y avait pas beaucoup d'agriculture mais euh, il y arrive oui, il y a, oui je me rappelle cette série là la dédonation qui est arrivée le 19 juillet euh, oui j'ai tout noté un hein, qui j'ai tout noté sur le côté de l'écran euh, le 19 juillet j'ai commencé une série qui était la dédonation c'est une série qui a tellement marché au début bon après forcément avec le temps c'est normal c'est tous les youtubeurs c'est toujours comme ça au début ça fait énormément de vues ça plaît beaucoup mais avec le temps ben, les gens ils font ouais c'est cool c'est cool c'est cool mais voilà et avec le temps il y a beaucoup moins de vues mais ça, ça plaît toujours mais forcément beaucoup moins qu'au qu début. Les gens sont intéressés pour le début, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça du coup, voilà une série qui vous a tellement plu. Alors, ceux qui sont pas, ceux qui, bah, allez voir ceux qui n'ont pas vu. En vrai, c'est du FS17. Donc, allez voir. Je mettrai les extraits dans tous les cas euh, sur le côté de l'écran. Euh, et ensuite, 3 août, on attaque avec. Euh, ah, ça va vite, l'année la, la, passe vite. Ensuite, on attaque sur du FS19. Screen du jeu. Je commençais à faire. Franchement, je faisais des vidéos. Enfin, je sais pas si c'était pas au courant. Je bosse avec mon père qui est agriculteur. Euh, je, enfin, bon, je ne bosse pas mon métier, mais je l'aide. Je suis son fils, donc logique. Je, enfin, je vais l'aider un petit peu. Donc, il y avait du tabac. Il ramasse du melon et tout. Donc, je l'aide l'été. Et euh, du coup, était, on était un petit peu à la période où c'est qu'on ramassait le tabac et tout. Du Coup, toute la journée, je suis pas chez moi, je bosse tout le temps, je reviens le soir, je suis crevé, je suis mort, et euh, en plein euh, moment où je bosse. Je... J'apprends qu'il y a une news FA19 qui sort et tout. Et je fais. Alors là. Alors là. Du coup, j'ai tout arrêté. Je suis allé chez moi. Je dis Bon, excuse-moi. J'ai une, une vidéo à faire. Et voilà. Enfin, j'ai fait pas mal de vidéos comme ça. Euh, des news FA19. J'ai fait ensuite une vidéo. Ouais, 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 beaucoup de vlogs. Les, les vlogs, ça, pareil, beaucoup de vlogs aussi. J'ai commencé le 10 août. Enfin, le 10 août. Oui, j'ai fait le 10 août. Du coup, vous me direz en commentaire si vous voulez que je fasse une deuxième FAQ. Donc là, le 10 août, j'ai fait une FAQ pour les je crois que c'était pour les 50 000 abonnés mais j'avais plus de 50 000 abonnés j'avais peut-être 55 000 60 000 abonnés mais j'avais fait une vidéo ouais, pour les pour les euh, une vidéo FAQ qui vous a bah, beaucoup plus sur Instagram d'ailleurs n'hésitez pas à pas me follow sur Instagram la prochaine vidéo sera sur euh, bah, vous, vous, vous pourrez poser vos questions sur Instagram tout simplement du coup j'ai fait une petite vidéo en extérieur que vous avez pas mal pu du tout franchement c'était des questions étaient vraiment pas mal je vous invite à la voir pour ceux qui vous posent, qui se posent des centaines de questions sur moi sur, sur ce que je fais et tout posez vous des questions il bon, y, a, y, a y a quelques trucs qui ont changé genre voilà le, je sais plus, je suis plus au lycée en ce moment j'ai arrêté les cours et tout mais allez voir un petit peu la vidéo vous allez voir ça sera plutôt pas mal il y aura beaucoup d'infos sur tout donc euh, donc voilà ensuite on a commencé à faire oui mais en fait ça, à partir de maintenant en fait j'ai remarqué que je commençais à faire beaucoup de vidéos sur les news on jouait même pas au jeu mais on commençait à faire beaucoup de vidéos parce que c'est des vidéos qui vous plaisaient. ça, ça marchait beaucoup Beaucoup sur la chaîne on va se le dire ça, ça marchait beaucoup et c'est des vidéos qui, qui qui vous plaisaient vraiment qu'on qu fasse et même moi je kiffais voir les news qu'il y avait j'étais tellement franchement ce jeu euh, à la sortie du FS17 j'étais content mais pas autant que ce FS19 parce que bon en même temps euh, FS17 j'étais vraiment pendant deux ans euh, à fond à fond à fond des vidéos tout le temps pratiquement tous les jours et tout enfin toutes les semaines je faisais des vidéos sur farming alors là du coup le FS19 il, il me tardait vraiment j'avais tout torché franchement hein, je vous jure aux alentours de allez euh, juin juillet on n'avait plus rien. Genre, moi personnellement, la team et tout, on cherchait des idées de séries qu'on pourrait faire. On avait tout torché, on avait tout fait, du TPI, de tout ce qu'on avait fait. L'agriculture, ça marchait plus parce que c'est la base, tout le monde connaissait l'agriculture, ça marchait plus trop. Euh, donc, on en faisait qu il y avait quand même une série qui s'appelait Les Frères à la ferme qui vous plaisait beaucoup. Hier, il y aura un retour sur la phase 9 des Frères à la Femme. Euh, c'est une série qui vous plaît tellement. Bon, je sais pas du tout si la vidéo va durer longtemps. On est déjà à 13 minutes, ça passe une vitesse de malade. Les vidéos risquent de, de durer même pas longtemps. Désolé les gars, mais voilà, c'est une vidéo par an donc ça peut durer. D'ailleurs. Euh, du coup, là, des, des vidéos comme ça marchaient plus trop. On essayait de trouver des, des nouveaux concepts de vidéos. Mais franchement, la vidéo là, Les Frères à la Femme, c'est pas une série euh, que agricole. On faisait beaucoup de défis et tout. Je demandais des défis. C'était une, une idée qu'on avait eue avec Xenox avant, qui était dans la team, je me rappelle. On avait fait pas mal de, de, de vidéos comme ça, qui vous avaient vraiment plu et tout. Ça vous avait vraiment pas mal plu. Et euh, voilà, une petite série agricole, mais malgré. Euh, mais bon, après, l'agriculture, c'était vraiment euh, 3% de la chaîne. La plupart, c'était. Il y avait quoi Il y avait le dimanche, c'était des vidéos. Ah oui, je me rappelle, le dimanche, on commençait à retourner sur des anciens farming. Euh, vers la, voilà vers la fin vers euh, septembre octobre vraiment euh, on s'approche vraiment de la fin de l'année du début des Fs etc. on avait tout fait donc on commençait à revenir sur les anciens farming je me rappelle j'avais fait une vidéo sur FS13 FS11 enfin euh, je sais plus trop tout ce que j'avais fait mais j'en ai fait pas mal de vidéos comme ça c'était vraiment cool et tout euh, ensuite bon voilà on avait fait des vidéos comme ça j'ai fait des... ah ouais, j'ai commencé à faire un peu TP donc euh, la, la série une journée sur le chantier avec Rixforce d'ailleurs il faudra que je vous parle mais tous les gens de la team il y a beaucoup de gens qui, ont, qui sont venus et partis de la team on a recruté Axel on a recruté Rixforce on a recruté LSC il euh, y a il euh, y a Xenox et Tati qui sont partis de la team et tout, enfin il y a beaucoup de choses, du coup tous ceux qui veulent savoir la team, comment ils s'appellent, quels âges qu'est-ce qu'ils font dans la vie, tout ça, qu'elle tout ça, tout, ça. Enfin, tout ça, allez sur mon site, il y a toutes les infos, n'inquiétez pas vous allez voir. Vous serez servi, il y a tous les modes aussi, il y a juste pas mal de modes que je mets, euh, bref on en parlera de ça plus tard. Donc voilà, euh, du coup, on commence octobre la Paris Games Week. C'était ouf, les amis, cette Paris Games Week. Ça, en vrai, ça m'a fait tellement. Enfin, dans ma tête, ça a tellement changé parce que j'ai rendu. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des gens qui, qui, qui me. Quand tu fais des vidéos, c'est différent. Tu vois, t'es content, tu fais tes petites vidéos. Tu sais, même s'il y a 1000 ou 2000 viewers. Content mais si tu te rends pas compte vraiment et là la paris psych on peut vraiment voir les gens merci vraiment aux abonnés qui m'ont offert des petits trucs je sais pas si je les ai là je les ai encore gardés mais merci aux abonnés au, qui m'ont offert plein de petits trucs et tout même rien de demander des photos et tout ça fait vraiment plaisir et tout ça, ça fait vraiment plaisir donc voilà encore une fois merci à tous cette parigam su qui était folle allez voir du coup le petit le petit vlog et tout du coup c'est là où c'est j'ai pu commencer à tester FS19 c'était pas mal du tout c'était vraiment super cool mais après c'était de la manette et moi la manette c'était pas trop mon délire mais bref la pari qui était vraiment cool j'ai pu rencontrer pas mal de youtubeurs même des youtubeurs pas farming hein. j'ai rencontré euh, j'ai rencontré Michou j'ai rencontré Duo enfin j'ai un youtubeur c'était vraiment cool et tout du coup là sais pas à aller, aller voir le petit log c'était vraiment sympa donc euh, voilà du coup cette année les amis je reviendrai à la Paris Games Week même normalement si a qui sont là je, je vais essayer d'aller au CIMA cette année parce que j'ai vraiment en vrai je pense que ça peut vraiment être sympa le CIMA c'est pas bah, c'est pas du jeu vidéo en fait et je pense qu'il y a plus moyen que je vous rencontre au CIMA qu'à la Paris Games Week du coup j'essaierai les amis pour cette année d'aller au CIMA donc je crois que c'est en février vous me direz dans les commentaires mais je crois que c'est au février par là euh, du coup j'essaierai d'aller au SIMA. donc qui vont n'hésitez pas, pas à me dire en, en commentaire ça pourrait être sympa si je peux vous rencontrer euh, donc voilà ensuite euh, Ouais, donc j'avais fait une vidéo découverte de FS-19 à la Paris Games Week. C'était bah, un petit vlog normal que j'avais fait. J'avais 80 000 abonnés à l'époque. Enfin 80 J'en ai 30 000 de plus en seulement 3 mois. Me suis... ouais, en gros c'est ça quoi. En 3 mois 30 000 abonnés de plus c'est ouf. Donc encore une fois merci de tout ce qui s'est passé. Encore et FS-19, FS19 n'était pas encore sorti les amis. Là on va commencer à parler de FS-19. Ça va être, ça va être un truc de fou. Du coup, donc voilà, on commençait, on était tranquillement avec les 80 000 abonnés, c'était déjà ouf, hein, j'étais hyper content, je savais que j'allais arriver, je voulais vraiment, je, je vous le disais souvent, je voulais vraiment arriver aux 100 000 abonnés pour mon anniversaire. Donc aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, et là, à l'heure où on joue pas, on est à plus de 110 000 abonnés, donc c'est à dire qu'on a, on a largement battu le record, c'est bon, l'objectif que j'avais, on l'a largement battu, encore une fois, une énorme merci à vous tous. Euh, du coup, ce qu'on va dire, on, on faisait des petites vidéos, je me rappelle à la fin de la phase 17, donc c'était quoi, une semaine avant qu'il y avait euh, Farming 19 qui sortait, on commençait à j'avais fait une vidéo construction de maison à mes héros. On avait plus d'idées, mais c'est une vidéo qui vous avait pas mal plu, mais on avait plus d'idées du, du tout. Mais ça paraît ça vous avait quand même pas mal plu du tout. Donc euh, petite vidéo comme ça. Et ensuite, alors j'ai pas la date mais du coup euh, j'ai eu le jeu je crois le 14 ou le 15. Euh, le 15 novembre, voilà, les développeurs me l'ont envoyé. Enfin, j'ai reçu 3 clés. Enfin, je, en vrai, vrai j'étais vraiment en train, de mode, en train de me dire Mais attends, mais il y a des gens qui ont 4000 abonnés, ils ont le jeu. J'ai pas le jeu. C'est quoi ce bordel Et du coup, bah, j'ai tout reçu. Euh, je sais plus quel jour, mais un, un ou deux jours avant, j'ai reçu les clés. Mais j'ai reçu trois 4 clés de, de tous mes partenaires qui m'ont envoyé, plus Focus qui m'ont envoyé un jeu. Et du coup, bon, bon, c'est bon, 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 pas la peine de stresser, j'ai toutes les clés donc c'est bon. Donc j'étais hyper content. Donc j'ai fait mon premier stream, les amis. Ah j'étais content J'ai fait mon premier stream les amis du coup Je sais plus quel c'était C'était le 17 ou le 18 euh, Même pas c'était avant je J'ai fait mon stream je, une semaine avant que la sortie du jeu pratiquement Je crois que c'était un jeudi ou vendredi Donc voilà c'était ouf J'étais hyper content euh, Donc voilà ce stream qui vous a tellement plu Parce qu'on a monté à plus de 3000 viewers et, euh, et encore c'est pas le record On a même pas le record C'était le lendemain on avait, on avait fait plus de 4800 personnes Je sais pas si vous vous rendez compte Mais moi qui y av avant plutôt que maintenant je suis un peu plus habitué Mais avant je faisais 1300 1500 Et grand max grand max grand max c'était vraiment la, la folie quand c'était ça Et j'étais hyper content Et là boum 4000 personnes Ah oui bon d'accord Du coup bah, j'en profitais et je me suis dit Là c'est le moment que je donne tout Il faut que je donne tout Il faut que je stream tous les jours Il faut que je fasse des vidéos Il faut que c'est à ce moment là que tu, tu dois montrer ce que t'es capable et tout Du coup j'ai fait des vidéos Et là les abonnés ça a monté d'une flèche 1000 abonnés par jour Enfin c'était la folie totale Ça, ça fait vraiment plaisir J'ai commencé du coup à faire une série L'épisode 1 de la carrière suivi sur FS19 Pareil une vidéo par jour Jusqu'à la sortie du jeu, même j'ai continué cette série. Qui vous plaît, bon, on vous plaît quand même beaucoup en ce moment, mais on est, on est déjà presque au 30e épisode, 21, 22. On est au 23e épisode, je crois. L'heure où je vous parle, donc la série vous plaît un petit peu moins. Mais pareil, c'est une série qui a fait, je crois qu'elle a fait, je crois, que toutes les vues comptabilisées. Je sais pas, j'essaierai peut-être de vous montrer, mais je crois qu'on est pas loin du million de vues, mais même plus du million de vues, je crois. À cette série, c'est la folie. Donc, encore une fois, merci à vous tous qui ont regardé cette série, ça fait plaisir. Je sais qu'il y a les trois quarts de gens qui, qui vont regarder cette vidéo, c'est des gens qui m'ont suivi grâce à la sortie du fs Donc, franchement. Merci Farming, parce que sans ça, bah, on serait rien, on ferait pas de vidéo, je ferais pas de vidéo comme ça, j'aurais pas tout ce matos là, donc encore une fois, merci à vous tous, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, donc on va parler un petit peu de coup, merci à tous les abonnés. J'ai commencé à faire une nouvelle série, donc l'Aventure des trois femmes qui vous plaît actuellement beaucoup, ça fait vraiment plaisir. C'est bah, un peu la seule série euh, vraiment travaillée sur la chaîne, j'ai ma carte suivi qui est encore actuellement, mais elle vous plaît plus, et puis c'est une série vraiment, genre tu tournes et tu fais, tu fais le montage et c'est fini, quoi, c'est la série la plus simple du monde. Et du coup, j'ai l'Aventure des trois femmes en ce moment qui vous plaît beaucoup, c'est un concept qui prend beaucoup de temps à tourner, vraiment, je c'est pas que ça prend autant de temps, il faut tout préparer les scénarios, les questions, les sondages, il y a beaucoup de choses à préparer les parties, est-ce que tout le monde va faire ça parce que du coup c'est des fermes, chacun dans son channel pour tourner, enfin c'est une, une merde totale mais c'est sympa. Je kiffe vraiment tourner ça, ça prend Par contre voilà, c'est pas genre en 20 minutes, tu sur la partie, tu tournes, tu fais le montage, tu t'en vas. Là, c'est il faut préparer la partie pas Loin d'une heure, une heure et demie, ensuite il faut que bah, il faut tourner, donc ça prend, ouais, facile. Pareil, une heure à tourner. Le montage, euh, souvent j'ai des scènes ratées, et tout donc, ouais, bref, ça c'est hyper long. Mais je kiffe vraiment le de cette série, elle vous plaît beaucoup. Elle fait chaque fois 30, 40 000, 50 000 vues à chaque fois, ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, dans, 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 dans tous les cas, vous inquiétez pas, il y aura des nouvelles séries qui vont arriver sur ce FFG stuff. Normalement, mardi ou mercredi, ça devrait arriver. Du coup, donc, oui, je vous ai oublié quelque chose, mais du coup, le 27 novembre, c'est une date que j'oublierai jamais. Bon, si je vais peut-être l'oublier demain, mais c'est pas grave. En gros, on a passé les 100 000 abonnés en live, c'était ouf. franchement, je pensais c' Très bien qu'on ait voyais que ça montait à une vitesse folle, 90 000, 93 000 abonnés. Je, pensais, je prenais plus de 1000 abonnés par jour, du coup je voyais très bien qu'on allait arriver aux 5000 abonnés et on est enfin arrivé aux 5000 abonnés. Du coup le 27 novembre en live, j'étais tellement content, c'était ouf. Franchement, je, voir le compteur qui passe à 100, fin, ça fait vraiment trop plaisir. On se rend enfin compte. Après le soir, t'es en, en train de te dire, mais waouh, j'ai 5000 abonnés, j'ai 5000 personnes qui me suivent, hein, c'est ouf quoi. Donc encore une fois, c'était un truc de folie. Le 15 décembre, live de 12h, pareil, donc ça fait, ben, ça fait une semaine déjà, une semaine et demie, deux semaines qu'on a fait le live de 12h. Pareil, c'était super cool, franchement. J'étais un petit, un petit peu mort, on va se le dire, j'étais un petit peu mort. Et 12h, c'était vraiment cool. Vous avez été plus de 2. Je crois qu'en tout, j'ai euh, fait plus de 6000-7000 likes. Donc bah, bah, environ 10 000 personnes qui sont passées sur la liste. Ça fait trop, trop plaisir. Donc, merci à vous tous, en tout cas. C'était vraiment cool. Je vais vous faire tous les cadeaux et tout. J'ai fait gagner des cadeaux chaque heure et tout. Donc encore une fois, c'était super cool. On a fait plein de jeux. On a fait du dehors du farming, du plein de jeux super sympa Forcément du farming, je n'ai ai jamais fait, c'est logique. Et ensuite, du coup, donc, que je veux dire, oui, donc le 24 décembre, j'ai fait une vidéo un peu roleplay que je voulais faire, une petite intro roleplay euh, Parce que je sais que l'année dernière, j'ai fait une vidéo comme ça. Euh, ah, j'ai fait 3-4 de Noël un peu euh, début décembre jusqu'à Noël, une petite vidéo de Noël un peu spéciale avec des intro roleplay. Du coup, je me suis dit cette année, ça pourrait être sympa de refaire des vidéos comme ça. Du coup, je vous ai fait une petite vidéo avec une intro roleplay aussi. Quand on faisait, on, on déneigeait un petit peu, on allait chercher des arbres dans une forêt pour les mettre. Enfin, franchement, c'était super sympa. Ça vous a beaucoup plu en tout cas. Donc du coup voilà. Et enfin le 26 décembre, on arrive à la vidéo découverte de Belgique profonde. Franchement, ben, on va se dire, c'est que ça fait tellement plaisir d'avoir une vidéo comme ça, enfin une map comme ça qui est sortie. Et on a dépassé du coup les 110 000 abonnés. C'est quelque chose de folie, de truc de, de, de fou. Encore une fois, je vais vraiment tous vous remercier à tous ceux qui, sont, qui ont liké. Rien que des petits pouces bleus, des petits commentaires, rien, rien que ceux qui ont regardé des vidéos, ça fait vraiment plaisir. Donc encore une fois, je vais vraiment vous remercier pour tout ça. On va essayer les amis que cette année 2019 se passe bien. On verra bien tout ce qu'on va faire. J'ai beaucoup de projets qui sont prêts. J'aimerais bien euh, arranger un petit peu les lives, comment ça va se passer. Euh, beaucoup de nouvelles séries qui vont arriver, euh, des vlogs qui vont changer. Un roleplay qui j'espère arrivera. Je sais pas du tout quand, je sais pas. Franchement, je j'ai rien prévu du tout. J'ai même pas prévu le scénario que ça, ça serait. Quelle map on ferait ça. J'ai pas du, du tout d'idée. Donc on verra bien. Peut-être dans quelques mois, 3, 4, 5 mois, 6 mois. On verra bien. Peut-être qu'il y aura jamais de roleplay. Je vous dis ça, mais peut-être qu'il y aura jamais de roleplay. Je pense qu'il y en aura un quand même. Parce que vous ne faites que demander. Donc on verra bien pour un roleplay. Et, et du coup, donc ouais, j'essaierai cette, cette année d'aller au CIMA. Je pense que ça pourrait être sympa. Vous me direz en commentaire il si y en a qui vont au CIMA. Je pense que ça pourrait vraiment être cool. En tout cas les amis, euh, la vidéo arrive à terme. J'espère vraiment que vous l'avez aimé. Je sais pas du tout combien de temps on est. On a plus de 20-25 minutes de vidéo. C'est un petit peu plus long que l'année dernière, mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ben, vous continuerez à regarder mes vidéos parce que ça fait vraiment plaisir. Et moi, je kiffe vraiment les tournées avec toute la team, c'est vraiment super cool. Je, je kiffe faire ça, c'est ouf, c'est une passion. Je kiffe faire ça, donc voilà. Merci à tous. Euh, je vous ferai peut-être une vidéo FAQ dans quelques jours. Et pour ceux qui demandent quand c'est que je ferai une vidéo setup, ça devrait arriver dans pas très longtemps. Euh, J'attends encore d'acheter un, de de, un, petit, un petit peu de matos. Et euh, du coup, d'ici peut-être fin janvier, début février, mi-février, ou peut-être mars ou avril, Enfin <laughs> vous verrez bien. Je ferai une petite vidéo setup dans tous les cas. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un énorme bleu mais je sais que c'est une vidéo qui sera beaucoup moins regardée. Mais pensez quand même laisser un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2019. J'espère que ben voilà, vous continuerez à kiffer mes vidéos, même kiffer d'autres youtubeurs ou kiffer votre vie, vos projets, tout ce que vous avez en, en vue. Ça m'a fait super plaisir de faire cette année avec vous de construire tout ça et tout. C'était vraiment super, super. Voilà, j'ai rien à dire de plus, c'était super. Donc, encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve du coup en 2019 pour une nouvelle vidéo. C'était Star Radio. Allez, ciao tout le monde.